Oh, des bruits de bouche. Des bruits de bouche comme du ASMR. Il y en a qui aiment bien ça. Dédicace à Goldo. Bienvenue tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode dans le noir de The Long Dark. La dernière fois, nous étions presque morts. On serait morts. Hein. Encore une fois, je suis assez content dans un sens. Parce que c'est vrai que je me mets pas vraiment... On va dire que en intrus, bon, surtout le début, il faut vraiment pas se mettre en danger ou quoi que ce soit. Faut pas tenter des choses juste pour les tenter. C'est très important. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on commence à avoir du matériel et tout ça, des bons vêtements et tout, on peut se permettre de tenter un peu le diable de temps en temps, si on peut dire. Mais c'est vrai que la dernière fois, bah, c'était pas mal parce que j'ai encore montré une fois que le stimulant d'urgence est vraiment très 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 bien pensé. Ça vous remet de la vie, ça vous donne de l'endurance infinie pendant un moment, vous pouvez courir. Donc vraiment, c'est vraiment le anti-game over, quoi. C'est vraiment l'anti-game over, c'est la deuxième vie, c'est le second souffle. Donc gardez toujours un sur vous, il faut toujours en garder un, voire même deux. Je conseille même deux, parce que vous pouvez les enchaîner, comme j'ai dit, parce qu'une fois, au bout d'un moment, ça vous fatigue, en fait. Une fois que l'effet est parti, ça vous fatigue. Ça vous épuise, plutôt, même. Donc, deux, c'est pas mal. Deux, c'est pas mal. Enfin, voilà. Donc, j'étais assez content de ce côté-là. Donc, pour notre aventure aujourd'hui, donc... je vais être honnête, plus ça avance, et vu qu'on a beaucoup de matériel de côté, plus c'est facile en fait pour moi de faire des petites coupures. Comme ça dure quelques heures, pas plus. Dans le jeu, il s'est passé sûrement genre 3 jours. En réalité, je pense que j'ai joué genre 2-3 heures à peu près. pardon, excusez-moi. Pas vraiment plus. Donc du coup, on est au max, on est bien. Notre vie est très bonne, on est encore toujours très bien nourri. Les vêtements sont réparés, on va aller directement dans le menu. Les vêtements sont réparés, hein, 99, tout ça. Il y a juste ça, c'est le plus bas, 72%. Mais on va pas utiliser une fourrure de... J'allais dire une fourrure de cheval. Ok, d'accord, ça commence bien cet épisode. Ok, alors on va pas utiliser une fourrure de cheval pour réparer le manteau en peau d'ours, hein. Pas à 72%, on va attendre que ça soit au moins à 60. Mais voilà, donc vu qu'on avait du matos de côté, bah, c'est facile en fait, c'est facile. Donc pour notre équipement, ah oui, pour ceux qui savent pas, hein, qui n'ont pas vu l'épisode précédent, nous allons retourner au... C'est vrai qu'on a quand même beaucoup dessiné ici, c'est bien. Nous allons retourner à Muskegmorn, et nous allons aller à la forge qui est à peu près là. Donc voilà, c'est pour faire des têtes de flèches, rien de plus. Donc on va faire ça. On va manger ça. On va prendre un peu d'eau et un peu de viande aussi. Donc nous avons deux tisanes, deux cafés. Honnêtement, c'est pas très utile, mais c'est pas lourd, donc... voilà, on sait jamais, vous savez, vous avez vu la dernière fois, on sait jamais ce qui peut se passer. Nous avons 5 flèches à 100% et après on a quelques flèches qui sont un peu abîmées. J'ai pris un arc à 70%. Nous avons de la peinture si jamais on doit dessiner, un peu de charbon pour refaire la map si on a besoin. On va prendre le sac de couchage évidemment. Tous les outils... Je sais pas si ça vaut le coup en fait. C'est vrai que ça fait un kilo et tout ça. Je sais pas trop si ça vaut le coup de faire tout, de prendre tous les outils. Bon, le plus lourd pour l'instant, c'est ça. Hein, c'est les ferrailles. On est à 20 ferrailles, à 4 kilos. Après, ça va se transformer en tête de flèche. Donc, les têtes de flèche, c'est beaucoup plus léger. Donc, en retour, en théorie, on devrait pas avoir vraiment de problème. Pour le feu, j'ai plein de bûches de côté, honnêtement. Donc, je vais en prendre 3. Et on a 2 charbons. Ça, c'est pour monter la chaleur très haute, très vite. Et après on a le chauffage, je pense qu'on va peut-être en prendre plus, on va voir. Un truc qui m'a un peu surpris, c'est que j'ai qu'une loupe. J'ai pas trouvé d'autres loupes. Par contre c'est un peu la nuit, ça c'est un peu un problème. On va voir le temps un peu, on va voir le temps. J'aurais peut-être dû dormir un peu plus avant de commencer l'épisode, on va voir. On va voir ça, sinon s'il fait bon on part. C'est pas... il fait froid quand même. On va faire ça. Il fait froid quand même. Non, on va peut-être laisser passer un peu le temps. Histoire que ça se lève en fait. On va remonter là-haut.
On va remonter là-haut. Je sais, c'est dans le noir, vous inquiétez pas. Voilà, dans le lit. Donc voilà, on a pris ça. Donc comme ça, on n'aura pas vraiment besoin de récupérer du bois sur le chemin. On peut juste tracer, en fait. On a un peu de nourriture. On prendra de l'eau avant de partir. Donc après, quand on sera sur le terrain avec la forge et tout ça, on tuera des loups parce qu'il y aura sûrement plein de loups tout autour. Donc là, on prendra à manger. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est notre équipement banal. Hein. C'est... faudrait avoir des presets d'équipement. Voilà, 5, 5, 3, 5, 4. Ouais, non. Il n'y a pas de... y a pas grand chose à rajouter. C'est l'équipement bien. Là, on peut, tout... on peut aller partout, en fait, avec cette sorte d'équipement. Et cette fois, bien sûr, on a un peu plus de bois parce que... Alors, on va attendre un peu. On a un peu plus de bois parce que... on va à la forge. Ça commence à... ok, ça commence à avoir un peu le soleil. Alors attendez. Maintenant on va boire. On va dormir. 2 heures. Mais on devrait être bon. Voilà, très bien. Oui, oui, je voulais en parler aussi. Qu'on risque d'avoir le mal de l'enfermement parce que j'ai crafté des flèches aussi. J'ai un peu refait les casiers aussi. Donc on a 15 flèches de côté. On a 111 fûts de flèches. Donc j'étais un peu, on va dire, dans la maison à crafter des choses. Est-ce que ça vaut le coup 20 têtes de... enfin 20 ferrailles. 20 ferrailles, c'est 40 têtes de flèches. C'est 40 têtes de flèches. Parce qu'à chaque fois, c'est 2. Donc je pense qu'on a assez. Je pense qu'on aura assez. La maison commence à être vraiment vraiment pleine de choses un peu partout. Là il y a toutes les fusées nautiques. Les livres, je commence à même les mettre par terre les livres. Là il y a plein de caisses. Il faudrait vraiment pouvoir créer des meubles et tout. Ce serait vraiment bien. Bon, après c'est vrai que moi je mets tout là. Je concentre tout ici. Parce que bah il y a l'établi et tout, donc c'est facile, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi placer un peu là. Mais il faudrait pouvoir débarrasser tout ça, genre par exemple ça, genre le laptop là, le mettre autre part. Il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire. Enfin bref. On va y aller. Savez, je commence à reparler de mods, je commence à reparler à ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait rajouter au jeu, machin. Aïe 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 aïe. Combien de fois je me répète dans le jeu, moi? Ok, donc on a 9 flèches en tout. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on prend une dizaine de flèches? Parce qu'il y en a qui vont casser. On va en prendre une de plus, peut-être. Quoique non, non, c'est parfait en fait. Non, on va se débrouiller comme ça. On va vraiment tuer si on en a besoin. Si, genre pour quand on sera à la forge. Allez, c'est bon, on y va. Moins 16. Moins 16, moins 16. Ah, sinon, on a eu du très beau temps ici. Pendant que moi, j'ai fait ma petite coupure, du coup. Donc, c'est pour ça que je prends des bûches. Parce que j'ai pu couper le bois. Normalement, il y en a un bois qui tombe là, souvent. Celui-là, je l'ai coupé. Après, j'en ai coupé un plus loin. J'ai plein de bûches de côté. J'ai vraiment, vraiment plein de bûches. Donc, c'est pas mal. Donc on est reparti à la forge. Je viens de penser... j'ai pas pris de marteau. Ah. Vous pensez qu'il y a un marteau à la forge? Vous pensez qu'il y a un marteau à la forge ou pas? Ça serait con qu'il n'y en ait pas quand même. J'ai assez confiance en moi. Je pense que je l'ai laissé. Je pense que j'en ai laissé un. Je pense vraiment que j'en ai laissé un. Donc on va pas emporter. Si jamais il y en a pas, on est dans la merde. Bah, vous savez, si jamais il y en a pas, ce qu'on fera, bah, on déposera tout là-bas. Et puis on fera un aller-retour. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, on fera ça. Hein.
On fera ça, on se débrouillera. On se débrouillera. Mais voilà, sinon c'est tranquille. Petite, petite aventure tranquille. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Pas grand chose. Pas vraiment grand chose. Sur la chaîne ou quoi que ce soit. Ouais, c'est plutôt tranquille. Plutôt tranquille. De toute façon, tout le monde est. Tout le monde est bloqué chez soi, non? Hein? Tout le monde est. Tout le monde est chez soi. C'est chez soi, pardon. Pas la plupart des gens en tout cas. Un peu bloqué. Mais mais ouais, j'ai encore une fois, j'aime beaucoup hein, cette série de The Long Dark, donc je la continue et tout. Hein. C'est vrai que là on a un peu fait le tour. Mais j'avoue que ça me plaît beaucoup de jouer à ça. Ça me fatigue pas en fait, ça me fatigue pas vraiment. Musket Brown. Genre c'est rare de... trouver des jeux comme ça qui vous fatiguent pas. Parce que tout fatigue au bout d'un moment. Ce qui est normal, c'est redondant et tout ça, hein, c'est normal. Hein. Genre le... votre cerveau il a besoin de choses neuves au bout d'un moment. Hein. Même si vous adorez ce que vous faites. Des fois, genre casser la routine et choses comme ça, ça fait... C'est une, bouffée d'air. Hein. C'est important. Mais ouais, j'avoue que The Long Dark, ça reste quand même vraiment cool. Si jamais on voit un ours, j'ai l'impression que ça bouge en face de moi. Non, ça m'étonne. Si jamais on voit un ours, je pense qu'on... Je pense qu'on tentera... Pour aller récupérer... pour récupérer la peau. Je suis pas encore sûr. Ça dépendra un peu d'où il a, d'où il est. D'où on en croise un. On risque d'aller se réchauffer dans les les wagons, là, en plein milieu. De toute façon, on a le sac de couchage. Donc peut-être qu'on va faire ça. Pas grand chose. Pas grand chose. Bah tiens. Toi t'es embêtant parce que tu tombes juste... juste là. Merde. Hop. Ah, il y en a un autre qui a eu peur. En fait. C'est vrai que tu tombes mal, en fait. C'est bon. J'ai loupé la tête. Et il m'a pris une flèche. Les enfermements, cheville douleur, vêtements. Ça. Et il m'a pris une flèche, le con.
12 degrés, ça va. Pas le top. Ah, si on n'avait pas le tremblement, c'était bon. Ah, on va devoir faire du feu quand même. Ce con, il m'a pris une flèche. On verra si on peut pas le trouver après notre sieste. On verra ça. Ah, c'est embêtant, hein. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Ok, une petite heure. Manger ça. Plus 7 degrés. Ok. On va dormir 3 heures. Je crois qu'on a un ami. Vous avez entendu ou pas? On a entendu, hein, quand on dormait. Il y avait un ours. Non, je pense pas que ce soit lui. On va passer par là. On va essayer de trouver le loup qui doit être mort maintenant, honnêtement. On lui a mis une flèche et après on l'a tapé avec la hache. Vu qu'on avait froid, on n'a pas pu vraiment le courser. On a entendu un ours marcher. Ah, il est... Ah, what? Il était juste là. Bon, il nous poursuit, c'est bien. Enfin, il nous suit. Je pense qu'il est passé par là. Si jamais on voit des corbeaux, hein, ça va nous aider. Ah! En face, là. Genre cette masse noire, là, c'est pas un cadavre. Bon, c'est bon, sinon il y a un ours à prendre. Non, des cailloux. Ouais. Sinon il y a l'ours, ça on le fera après. Oh, il y a plein de massettes ici. Ah, il faut qu'on répare. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié, j'ai complètement oublié. Je voulais réparer les vêtements. Le cache-oreille surtout. Il fait pas très froid, on pourrait le faire maintenant, mais on va le faire quand on sera à l'abri. On va prendre ça aussi. Parce que j'en ai pas trop de réserve, j'ai remarqué. Des barbes de Jupiter. Ah, j'espère qu'on va le trouver quand même. Ce con de loup. On va prendre ça. Il y a aussi une chose de revenir sur nos pas comme ça. Parce que quand on va dans une nouvelle zone, il y a toujours plein de champignons, plein de baies, plein de... Je sais pas si on peut passer par là, par contre. Ouais, non. Plein de baies et tout ça à découvrir. Donc, du coup, vous êtes tranquille. Tiens, il y a une grotte, là. Enfin, une petite grotte. Du coup, vous êtes tranquille, en fait, parce que vous êtes plus ou moins sûr de tomber sur des choses, en fait, des ressources. Voilà. Des ressources. Mais quand on retourne sur une zone qu'on connaît, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, du coup, il n'y a plus rien. En théorie, on a tout pris. Donc il n'y a plus rien, donc on est obligé de partir un peu plus lourd que prévu, que d'habitude.
Donc ça aussi, il faut y penser, c'est important. On va un peu courir. Ça m'étonnerait que le loup là qui nous ait vu soit celui-là hein, qui nous a attaqué. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est 3 heures. Une flèche, un coup de hache. Normalement il doit être mort. Mais ouais, pas de corbeau. Pas de corbeau. On va essayer d'aller là. Putain, ça va casser ça. Qu'est-ce qu'on fait? On court? On peut passer par là. Ça m'embête. Peut-être qu'on peut faire le tour. J'ai pas trop envie de perdre du temps non plus, parce qu'il faut quand même qu'on aille à la forge un jour ou l'autre. Je crois qu'on peut passer par l'arrière. Oh la vache. On aurait pu peut-être passer en courant. Je suis en train de me dire. On aurait pu peut-être passer. On va voir le corbeau, les corbeaux là-bas. C'est peut-être le... Ça me paraît très loin quand même pour que ça soit le loup. Mais on va aller vérifier. Ça me paraît... Non, c'est un cerf. Je crois que j'ai vu un cerf. Il faut le toucher, ça porte bonheur. Ouais, non, c'est un cerf. Vous voyez que c'est pas mal de partir quand même équipé. Hein. Il faut toujours quand même s'équiper parce que... On sait jamais ce qui peut arriver. Il trottine tout ça. Il a pas l'air d'être. Ils ont pas l'air d'être blessés. Non, mais on est déjà à la forge en fait. Ah, ça va, ça va. On est déjà à la forge. On est tranquille. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est des. Parce que. Dans ma tête, je pense aussi à Death Stranding, qui est un bon jeu d'exploration et tout. Et de terrain, à passer des terrains et tout ça. Avec le bois, on pourrait construire des sortes d'échelles en bois. Pour passer les... Par exemple, imaginons que là, il y a une rivière ou alors que ça casse. On pourrait déposer ça et marcher sur le... La sorte d'échelle en bois qu'on a créée. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. On a encore un là... Ah, ça m'embête d'avoir perdu une flèche. Encore. On avait tout fou. On est jamais passé par là? Sérieux? Sans déconner. Ah ouais, non, on n'a pas dû passer en fait comme ça en ligne droite. Ouais, non. Ouais, parce que là, normalement, il y a des choses. Il y a le cadavre et ouais. À chaque forge, un peu tout autour... Ouais, non, on n'est jamais passé comme ça, en fait. Parce qu'il y a plein de... Il y a plein de massettes et tout ça. À chaque forge, on va dire qu'il y a des petits endroits un peu tout autour.
avec quelques ressources en fait pour la forge elle-même, c'est-à-dire pour avec du métal, du bois, des bûches et tout ça. Faut un peu les chercher, c'est un peu comme là, mais là je crois que c'est la cabane détruite, là on l'a déjà regardé. Mais on va trouver des chaises et des trucs, donc c'est vraiment pour nous aider à chaque fois un peu. Donc c'est important de fouiller un peu les alentours. Normalement ça on a regardé. Enfin on a plus rien. Ouais je crois qu'il y avait du charbon et tout ça. Il y a toujours la chaise, on peut la casser. Bon maintenant ça va être le moment de vérité. Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ou pas? Est-ce qu'il y a un marteau? Je voudrais bien qu'il y ait un ours ici en fait, parce qu'on est protégé avec la cabane de la forge. Donc un ours ici, ce serait vraiment pratique. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment très pratique pour nous. Bon, ça va, ça a l'air tranquille. Encore du métal. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, et là c'est le drame. C'est le drame. Je vois pas de marteau. Je ne vois pas de marteau. Bon, on a de la ferraille en plus. On a de l'eau. Oh, tout ce qu'on a. Aïe, aïe, aïe. Bon ben, qu'est-ce que je vous dise, moi, demi-tour. Hein. Par contre, il n'y avait pas de charbon. C'est bien qu'on ait... Il n'y avait pas de charbon. On va se mettre là. En plus, on a chaud ici. On va d'abord recoudre ça. Bon ben, on fait demi-tour, hein. On va faire demi-tour, hein. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Ah, c'est peut-être à l'autre forge qu'on avait laissé un marteau. Parce que j'étais sûr qu'on avait laissé des marteaux, en fait, aux forges, mais pas toutes, apparemment. Ouais, non, 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 y a pas. J'entends du bruit, sûrement des ours, des loups. Bon, on va peut-être dormir genre une heure, histoire de se réchauffer. Et après, on va partir. On va partir, on rentre à la maison et on fera un aller-retour, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, y a plus... J'ai envie de dire, honnêtement, ce que je pourrais faire, c'est couper le chemin du retour et tout ça, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a plus vraiment d'exploration à faire. Il n'y a plus d'endroit à découvrir, vous voyez ce que je veux dire. Donc, autant faire ça en temps réel, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Alors, là, c'est la forge. On va essayer de dessiner un peu. On va être de ce côté parce que je veux quand même voir si on peut pas retrouver le loup. En tout cas, il y a au moins quoi? Allez, 25 bouts de bois.
ferraille, donc on va pouvoir faire plein plein de têtes de flèches. Donc ça c'est bien. Ça c'est très bien même. Là on a le petit village détruit. Encore. Ah, très bien. On va pouvoir aller ramener plus de bois et tout ça. Bah il y a des loups. On va essayer d'aller sur la petite cabane qu'on avait vue là de chasseur. À voir. Je sais pas si je peux passer là. Ouh, ça passe. Ça va. Ça a même pas craqué, rien. Très bien. On va prendre ça. Ça nous fera plein de massettes de côté, on pourra... J'ai l'impression que les deux là, ils sont sur mes traces. Il y a l'ours en face, je crois. Non, non, ça va trop vite. Non, non, c'est encore un loup. C'est encore des massettes, ça? Des massettes partout. Je dois avouer, je sais pas exactement. Je les prends toujours dans le côté logique, en fait. La glace qui se brise, je le prends du côté logique. Mais je ne suis pas complètement sûr, en fait, de comment ça fonctionne. Genre, est-ce que vraiment notre poids influe sur le temps? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, on était passé. Nous, on veut aller plus sur la droite, je crois. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'était peut-être là. C'est pas grave. Mais c'est vrai que... Ah, j'ai pas vraiment testé... Plus que ça, comment ça fonctionnait, vraiment la glace qui se casse. Je dirais que quand même... parce qu'on était, on est déjà tombé dans l'eau. Dans notre aventure. Et on était très très lourd en fait la première fois. Enfin quand on est tombé la première fois, parce qu'on revenait je crois de la crique lugubre. C'est la toute première fois, on venait de là en plus je crois. De la grotte. Et on était très lourd parce que bah, on avait récupéré plein de choses. Et on est tombé assez rapidement. Alors que là on arrive à passer en courant. Donc je pense quand même que le poids influe. Sur le temps qu'on a pour franchir la glace. Mais ouais, c'est vrai que c'est encore... pas complètement sûr. Bon, ça, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas extrêmement froid, donc ça va. Honnêtement, ça aurait été vraiment chiant qu'il fasse très froid et tout. Parce que là, on va rentrer tranquille, on va virer toutes les massettes là qu'on a, on va déposer tout plein de trucs, ça c'est cool. Je voulais voir s'il allait avoir peur ou pas. Ah, comme ça il est derrière nous. Très bien. Il fait tout le tour ce con. Ah, c'est bon, il nous a perdu. Ah, très bien.
Ouais, ouais, il nous a complètement perdu. Ah, ben voilà, c'est bon, on l'a trouvé. J'ai cru que c'était un caillou. Voilà, ça prendra, saloperie. Ah! Ah, mais ben, je suis content du coup. Ah, ben là, ça me rebooste là. Ça y est, je suis content. Je suis très content même. Putain, mais Ita, t'as fait ta trace jusque-là? Je crois que le wagon, il est là. Attendez, pas tomber dans l'eau non plus. Oh mon dieu, comment c'est loin! Oh, on a bien fait de bifurquer sur ce côté-là. Ah, je suis content. Je suis content. Vous voyez, des fois, c'est... Comme j'ai... Mais ça fait plusieurs fois, hein, que ça arrive dans le jeu. À chaque fois, il faut un peu... Genre, un peu avoir un peu de logique, on va dire. Genre, si un animal va dans cette direction, il va potentiellement mourir dans la même direction dans laquelle il est parti, évidemment. Après, il y a le coup des corbeaux. Des fois, il y a les corbeaux qui peuvent nous aider. Il y a plein de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment les petits côtés super cool du jeu. Oh, par contre, il commence à faire froid. Ouais, une tempête qui se lève. Je pense que c'est vraiment les meilleurs côtés du jeu. C'est quand... Alors, les choses peuvent vraiment mal se passer. On l'a vu plusieurs fois. Mais des fois, les choses peuvent bien se passer et on tombe sur les choses importantes qu'on cherchait, ou alors on a un peu de chance et tout. Donc ça fait plaisir. Ah, par contre, c'est chiant parce que c'est du vent en pleine face. Et vous voyez, Dame Nature dans le jeu. Pour créer un équilibre de merde. Elle a dit, tiens, je te redonne la flèche, mon enfant. Je te redonne ta flèche, car tu as subi des dégâts de ce loup-là. Donc, je te redonne ta flèche. Mais, en contrepartie, je vais te geler les noix. Voilà, je vais complètement te geler les noix avec un bon blizzard bien dans ta face. Voilà. Donc, merci. Merci pour la balance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aïe 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 aïe. On aurait été mieux quand même dans à la forge. Genre à la forge, bien au chaud. Genre à 100 degrés. On aurait été quand même beaucoup beaucoup mieux. Bon, par contre, normalement on devrait être... Ouais, on est protégé par... Faut que ça continue à souffler là, parce que comme ça on est protégé. Quand on va rentrer, je vais prendre le marteau sur moi. Peut-être que je vais laisser passer une heure le temps de me... non, 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 qu'est-ce que je dis? On va mettre fin à l'épisode. Ce sera un épisode un peu plus court, parce que j'ai des choses à faire, en fait. Donc ça va être peut-être un épisode un peu plus court. Mais entre-temps, je pense que peut-être que je vais laisser passer une journée, histoire d'être full vie, en fait. Comme ça, on peut repartir full vie. Pourquoi? Parce que, en fait, après la forge, j'ai envie d'explorer un peu plus sur le côté gauche de la map. Je la sortirai là, mais il faut qu'on marche. Dans l'endroit où on était allé, j'avais envie, je sais pas, peut-être d'y retourner. Je suis pas sûr, hein, mais ouais, genre me balader un peu. Oh mon dieu, en plus, c'est vraiment un gros blizzard. Donc, ouais, je vais peut-être laisser couler une journée entre-temps. Histoire de me remettre à 100%. Peut-être réparer certains vêtements aussi. Coupé. Mon dieu, on voit rien de rien. Rien de rien. Donc avant que j'oublie, on va prendre le marteau.
Marteau lourd, 63%. Peut-être qu'on devrait le réparer. Je crois qu'on a besoin de rien à part du bois de sapin. Ouais. Une heure, durée de la réparation. Ça donne, quantité à réparer 20%. Ah, on va peut-être... C'est du bois de sapin. Du sapin, je dois en avoir. Je crois que j'ai les deux, j'ai du... je sais plus les noms. Je suis pas très très calé en arbre. Cèdre, voilà, cèdre, sapin, ouais, très bien. Cèdre et sapin. Ah, on va faire ça, parce que c'est vrai qu'on va le laisser là-bas aussi. Alors, du coup, il faut juste ça. Non, il faut quand même des outils, ok, ça marche, ça marche, ça marche. On va prendre ça. Très bien. Du coup, on va aller dormir. Pourquoi elle dit que c'est lourd? C'est parce qu'elle est fatiguée, c'est ça? Ouais. Ouais, non, quoi que c'est lourd, en fait. C'est vrai qu'on a... Ouais, on déposera les trucs. Ouais, moi, je vais sûrement laisser passer une journée, histoire de me remettre à 100% de vie. C'est vrai que là, ça s'est un peu mal passé. Alors, on va réparer ça avant que j'oublie. À 45 minutes. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... On va laisser le marteau et on va laisser aussi peut-être la caisse. Peut-être laisser la caisse à 83%. On va peut-être la mettre à 100%. Je sais pas, on verra. Pour pouvoir réparer là-bas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Bon, ça sera notre épisode pour le moment. La prochaine fois, on repartira à la forge avec le marteau, cette fois. Et on pourra crafter... Je vais peut-être un peu réparer mes vêtements aussi. C'est vrai qu'ils ont morflé à cause de ce con de loup, là. Aïe, 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 c'est chiant. C'est pas grave. Mais ouais, ce sera tout pour cet petit épisode. Désolé, un peu plus court que d'habitude, mais voilà. Prochaine fois, on se rattrapera. Donc, on fera la forge et on s'amusera un peu. On ira peut-être chasser l'ours et tout ça. Histoire de passer le temps. À la prochaine, ciao, ciao.